Alors, eh ben moi, j'ai la chance de pouvoir interviewer un des chanteurs de la chorale La Boîte à Chansons. Pierrick, bonjour. Bonjour, Marie. Alors, justement, on discutait un peu tout à l'heure. Comment es-tu arrivé ici aujourd'hui, cet après-midi, pour la fête des 40 ans du quartier de Kérouréen? Parce qu'apparemment, tu n'es même pas de Brest. Non. Est-ce que tu veux bien m'expliquer un petit peu tout ça? Je ne suis pas brestois, c'est vrai. Je suis rennais d'origine et je suis arrivé à Brest dans les débuts des années 2000. Ouais. J'ai eu la chance d'aller voir un spectacle de la Boîte à Chansons, ça m'a tout de suite plu. La Boîte à Chansons de Saint-Pierre. Je me suis inscrit et je suis à la Boîte à Chansons depuis l'année 2001 ou 2002. Enfin, ça fait une petite vingtaine d'années déjà. Ouais, donc vous avez été sollicité ou vous êtes proposé pour venir là, Alors là, ça c'est trop m'en demander, je n'ai là, pas c'est la c'est peut-être aux organisateurs que je devrais poser la question. Je pense que c'est bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, ouais. Qu'as-tu pensé là, de l'ambiance là, qui est sous le chapiteau? Moi, j'ai assisté aussi au spectacle. Hein. J'ai trouvé ça très sympa tout à l'heure quand il y avait les enfants qui dansaient sur le groupe au pied levé, dont sont issus certaines personnes de la Boîte à Chansons. Ouais. Le petit groupe de guitaristes, là, j'ai trouvé ça super.
Bon, après, ce qui est bien, c'est le côté convivial et d'être là comme ça, en plein air. En plus, il fait beau, comme toujours à Brest. Oh, comme c'est gentil. Oh là, tu ramasses des points. C'est ce que disait Maxime, je vais lui faire de la pub à Maxime Pirot, parce que c'est ce qu'il dit dans l'une de ses chansons, il ne pleut pas sur Brest. C'est vrai. Et contrairement à Barbara. Et donc voilà, et puis nous, on aime chanter, on aime se produire. Bon, on est une chorale en mouvement, parce qu'on chante et en même temps, on fait des mouvements sur scène. J'ai vu, c'est donc bien, ça, c'est le thème de la boîte à chansons. Bon, là, on n'a pas pu s'exprimer parce que la scène est petite. Petite, ouais. Vous êtes habitué à travailler sur des scènes plus grandes. Voilà, des scènes plus grandes. Et cette année, en plus, nous arrosons nos 30 ans. Oh. Les 30 ans de la boîte à chansons. Ah ouais, quand même. Donc, c'était un peu une, on va dire... Comme une répétition, eh ben, écoute, grandeur nature. Et on en a profité. Donc c'est très bien, c'est génial, monsieur aussi j'ai vu, il y était, c'est bien. Oui, j'ai même vu des gens danser du Madison. Oui. Les gamins faire la chenille. Voilà. Eh ben écoute, pour une première journée de fête, c'est comme tu dis intergénérationnel. Oui, et nous fait. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Ben, oui. Donc eh ben ça t'a plu, ça nous a plu, on se donne rendez-vous, peut-être pas pour les 100 ans du quartier, c'est un peu loin. Allez, on s'était donné rendez-vous il y a 10 ans. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Même jour, même heure, même pomme. Au revoir, Pierrick. Au revoir, au plaisir. Et à bientôt. Merci.